Ginette, bonjour. Eh bien, bonjour. Tu t'en doutes, on est très content de t'accueillir à nouveau. Ah ben, moi, je suis contente aussi d'être là. Voilà, tu nous as accordé une longue interview sur cette période de ta vie où persécutée dans un camp d'extermination, tu as vu passer la mort, le mépris, la volonté de haïr, d'abîmer notre humanité. Voilà. Aujourd'hui, on a dit qu'on parlerait du reste de la vie. Est-ce que tu en es d'accord? Ah ben, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Alors, si tu veux bien, on va commencer. Eh ben, commençons. Voilà. Je crois que ta famille a habité rue Jean-Pierre Timbaud. Exact. Mais ta famille était peut-être originaire, non pas de Paris, mais d'autres régions, de France ou d'Europe. Exact. Peux-tu aussi nous en dire quelques mots? Alors, lui, mon père, c'était très rare à l'époque que d'une famille juive naisse à Paris, mais mon père est né à Paris. Mon père est né rue du Mont-Cenis, c'est-à-dire au pied du Sacré-Cœur. Alors, je suppose que s'il est né là, parce qu'il devait y avoir une clinique d'accouchement, je ne vais jamais demander. Hein. En tous les cas, je n'ai jamais de détails de ma grand-mère, par contre de son père, oui. Donc, son père est arrivé en France, il venait d'Ukraine, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était d'Ukraine, et ils sont arrivés en France, et puis ils y sont restés, et je crois même qu'ils sont passés, avant d'arriver, ils sont passés par la France, selon les naissances de mes oncles. J'ai un oncle qui est né en Angleterre, donc je lui ai pas demandé parce que j'étais assez bête pour pas interroger mes parents sur leurs origines. Mais ce que j'ai appris, c'est mon grand-père ayant débarqué en France, paternel, ayant débarqué en France, a décidé de partir en Angleterre et il a eu deux enfants qui sont nés en Angleterre et puis ils sont revenus en France pour y vivre. Donc, de ma grand-mère, de mon grand-père, je n'ai aucun détail, à part que du fait que mon père est né en France, que j'ai des parents qui sont en Angleterre, c'est comme ça que j'en déduis qu'ils ont été vivre un peu en Angleterre. Mais par contre, mon père naît à Paris, il reste à Paris, et il a, à l'époque, je suppose que c'était des présentations. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas comment tu draguais à l'époque. En tous les cas, il a rencontré ma mère et ils se sont mariés. Et comme dit, ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants, oui c'est vrai, parce que mon père voulait absolument un garçon. L'aîné, le bébé, le premier, c'est un garçon. Malheureusement, à l'époque, on soignait pas comme maintenant. Ce bébé a eu la diphtérie, il en est mort. Donc, il voulait absolument un autre garçon. Il est arrivé 6 filles avant d'avoir un autre garçon. Et quand il y a eu l'autre garçon, alors là, on s'est arrêté. Donc, moi, je suis la plus jeune des filles et mon frère est arrivé 7 ans après, mais entre moi et mon frère, il y a eu encore 2 autres ou 3 autres enfants. C'était des garçons et ma mère faisait des fausses couches à chaque fois. Alors, il fallait pas, à mon avis, j'en déduis que si je réfléchis bien, il fallait pas qu'il y ait de garçons dans la famille. Parce que ils sont tous morts d'une façon accidentelle. Aucun oncle, il y a que les filles qui ont vécu dans la famille Charkowski, parce que mon nom de famille c'est Charkowski, il y a que les filles qui ont vécu. Les garçons sont tous morts d'une façon accidentelle, c'est-à-dire Auschwitz. Parle-nous de ta maman. Alors, ma mère, c'était une femme comme à l'époque. Les femmes, c'était des femmes au foyer. En réalité, je crois que les femmes, à l'époque, c'était des bonnes à tout faire. Je sais même pas quand s'il y a eu de la tendresse. J'ai jamais vu mon père comme embrasser ma mère, faire des caresses à ma mère, comme maintenant on voit les couples, même âgés, se faire des petits bisous, des choses comme ça, des petites caresses. Jamais.
Moi, quand j'ai vu mon père et ma mère, toujours en train de se disputer, parce que ma mère trouvait qu'il ne lui donnait pas assez d'argent, parce que les femmes, à l'époque, elles n'avaient pas de compte en banque, elles n'avaient pas de chèque, elles ne travaillaient pas, elles dépendaient entièrement de leur mari. Et je connais toujours les discussions de mon père et de ma mère, parce que mon père trouvait qu'elle dépensait trop, et ma mère, elle trouvait qu'il ne lui en donnait pas assez. Mais ta maman était d'origine française? Ma mère est née en Roumanie. Elle était orpheline. Ses voisins l'avaient adoptée parce que les voisins avaient beaucoup d'enfants. Et puis qu'elle, elle était toute seule. Elle avait un frère. J'ai appris qu'elle avait un frère. Donc, elle était petite fille. Elle était toujours avec ses voisins. Ses voisins étaient en Roumanie. Alors, Fitesi, je crois. Je ne garantirais pas. C'est ce qui est marqué sur sa carte d'identité. Elle est née à Fitesi, en Roumanie. Et donc, ses voisins sont venus en France et maman est arrivée avec eux en France. Elle s'appelait Ferstein. Ah, ça s'écrit F-A-U-R-S-T-I-N, mais c'était avec... Vous savez, c'est la prononciation allemande, ça, oui. À l'époque, ceux qui enregistraient écrivaient phonétiquement et... Le même personne que s'appelait... Et son prénom ? Alors, Berthe, elle s'appelait Berthe Ferstein. Donc, elle est arrivée en France et elle était avec ses parents. Elle les appelle ses parents adoptifs. Elle était en adoration devant ses parents adoptifs. Elle les appelait mon oncle et ma tante. Alors que nous, les enfants, on les détestait. Parce que maman était illettrée. Et donc... pour nous, être illettré, ça voulait, à notre époque, ça voulait dire qu'on n'est pas intelligent, et donc on considérait notre mère comme notre mère, mais pas en admiration, alors qu'on aurait dû être en admiration devant elle. Et on l'était pas. Elle savait pas lire, vous vous rendez compte, une mère qui sait pas lire, qui sait pas écrire. Alors donc, elle a toujours été la femme au foyer, et maintenant j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de remords quand je pense à ma mère. Parce que, pour nous, une femme qui sait pas lire, une femme qui sait pas écrire, on regardait pas le reste. On s'occupait pas que c'était parce que on l'a fait travailler très tôt. Alors quand elle nous racontait qu'elle était en admiration, qu'elle adorait son oncle et sa tante, eh ben nous, on en voulait à ces personnes. Parce qu'ils s'en sont servis comme bonnes à tout faire. Alors, eux avaient des enfants, et c'était rare à l'époque des filles qui fassent leurs études. Eh bien, les filles de cette famille ont fait des études. Et ma mère, elle aurait pu aller au cours du soir, mais elle était trop fatiguée. Elle travaillait, on la faisait travailler. Mon père, son oncle, elle appelait ça son oncle, était brocanteur. Et à l'époque, les brocanteurs, moi j'ai connu un peu ça. Ils passaient dans les rues. Vous avez du cuivre à vendre. Vous avez, c'était des pots de lapin. Presque des pots de lapin. Mais c'était, ils préféraient les cuivres, les objets et tout. Et quand ils les avaient, c'était maman qui briquait pour qu'ils puissent les vendre après dans son magasin. Voilà. Et elle ne connaissait pas la Bible. Elle connaissait rien du tout. Alors, est-ce qu'elle était pratiquante, ma mère? On ne lui ai jamais demandé, puis mes soeurs non plus. En tout cas, quand elle s'est mariée avec mon père, ils n'étaient pas pratiquants. Hein. Alors mon père allait quand même le vendredi soir à la synagogue, et puis il allait au bain de vapeur. À l'époque, c'était la mode, hein, je crois. Ils se retrouvaient le vendredi soir, mais pas pour faire la prière. C'était aussi pour revoir les copains et ma mère, elle restait à la maison. Alors, ce que j'ai le souvenir que le vendredi soir, maman ne faisait pas la cuisine. Alors donc, c'était des repas froids. Alors la charcuterie, c'était de la charcuterie juive quand même, hein. C'est-à-dire le piquet, le saucisson, mais ça c'était du bœuf, c'était pas du porc. Ça c'est la seule chose, je crois, qu'à la maison, on a le porc... était exclu. C'était exclu, hein. Moi non, maintenant chez nous, non. Mais à l'époque, à cette période-là, il n'y avait pas de porc qui rentrait à la maison. Je crois que c'était la seule chose qui était respectée de la religion. Et nous, le vendredi soir, ma mère, elle nous emmenait au cinéma.
Et alors, quand elle nous amenait au cinéma, je me souviens, elle amenait des sacs à provisions avec des bonbons, des gâteaux. Et comme on était six filles, ça fait beaucoup sur une allée. Et on se passait les bonbons, les gâteaux. Ma mère ne savait pas lire. Donc, c'était des films muets. Il y avait les sous-titres. Donc, il fallait lui lire. Et puis, les gens qui nous disaient chut, chut, chut. Et en plus, chut, chut, chut. Parce qu'on parlait. Bien sûr. Et puis en plus, parce qu'elle nous distribuait les bonbons, les papiers, les machins. Mais ton ça... père, non. Ah, ton non, père ne venait pas au cinéma. Mon père n'était pas au cinéma. Mon père, il allait, lui, au bain de vapeur. Au bain de vapeur, voilà. Pour se retrouver avec des copains, et puis pour blaguer, ce que c'est ce qu'il mangeait. Enfin, c'est ça les souvenirs que j'ai. C'est peut-être des faux souvenirs aussi, mais je crois qu'ils étaient. Les souvenirs, pour moi, c'est ça. Ton père avait été à l'école? Ah, mon père, il savait lire et écrire. Je sais même pas s'il a été à l'école, en fin de compte. C'est pas des choses que je... Voilà, j'ai pas posé de questions, voyez. Enfin, il savait lire, il savait écrire et il a ouvert un atelier. Alors, quand il était jeune homme, il travaillait avec son père. Il confectionnait des pantalons, je crois. Et puis après, il s'est mis à son compte et il a ouvert un petit atelier. Alors, je sais qu'au début, c'était de la confection, des pantalons fabriqués. Et puis après, il a fabriqué des imperméables. Alors, et ça, c'était rue Jean-Pierre Timbaud? Non, tout de suite, c'était pas rue Jean-Pierre Timbaud. Il a commencé à avoir un atelier dans la rue du Faubourg-Saint-Denis. Après, il a eu un autre atelier rue de la Folie-Méricourt. Après, et c'est quand il était rue de la Folie-Méricourt qu'un jour, il est passé dans la rue d'Angoulême, maintenant rue Jean-Pierre Timbaud, et qui avait un appartement commercial. Et c'est comme ça qu'on est venu dans cet appartement où il y avait et l'atelier et l'appartement. Toute la famille ensemble. Ceux qui n'étaient pas mariés. Hein. Il y avait deux couples qui étaient mariés et ceux-là habitaient chacun de leur côté. Et puis, quand mon père a quitté l'atelier parce qu'il a trouvé un atelier ailleurs, il a préféré avoir un atelier en dehors de l'appartement. Il avait ses raisons, peut-être, j'en sais rien. En tous les cas, il a pris un atelier ailleurs. Et du coup, ma sœur aînée, qui était mal logée, elle habitait rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 11e quand même, un tout petit logement qui était... sans confort, eh bien, est venue habiter à la place de l'atelier. Et elle a créé, alors, pour vivre dans une salle de bain, une cuisine, chose qu'il n'y avait pas, puisque c'était un atelier. Très bien. Et puis là, elle ne l'a pas occupé tellement longtemps. Si elle l'a occupé, c'est peut-être de 38 à 41. Puis après, il y a eu la guerre. On est parti. La première fois, mon père nous a envoyés à la déclaration de la guerre, c'était en 39, je crois, 39-40. Il nous, tout de suite, dès qu'il y a eu la déclaration de la guerre en septembre, il a cru que ça allait être comme en 14-18, Paris bombardé. Il nous a envoyés à la campagne. Et on est arrivé à Tulle, à côté de Tulle, à la Gens. C'était une amie. C'était la mère d'une amie de ma sœur qui travaillait, s'appelait Rirette Maître Jean. Elle était dans un magazine, je sais pas, je crois que c'était L'Œuvre à l'époque. Elle était correctrice là. Et donc, on a été retrouver cette femme qui nous a trouvé à côté de Tulle, à la Guenne. Elle nous a présenté au maire qui nous a fourni une maison. Alors, la scolarité de toute cette famille, parents... Mes sœurs ont toutes été jusqu'au certificat d'études, et puis après, elles ont toutes appris le métier de sténodactylo. Et mes sœurs étaient secrétaires, sténodactylo. Ça n'existe plus maintenant, je crois, ce métier-là. Et donc, elles ont été secrétaires pendant quelques temps, et les deux dernières, les premières ont été secrétaires, les aînées, et puis les autres, eh bien, elles ont... Quand une de mes sœurs s'est mariée avec un jeune homme qui faisait les marchés à Aubervilliers,
Il s'est trouvé que son voisin partait, il y avait une place de libre, et du coup, eh bien, papa a acheté cette place, et mes deux sœurs ont travaillé à vendre, ça s'appelait aux deux sœurs, et elles vendaient de la bonneterie. Et toi, tu étais? Moi, j'étais gamine à l'époque, hein. Et bon, quand la guerre est arrivée, j'avais 15 ans, 16 ans, je me rappelle même plus déjà. Eh bien, on est parti à l'exode. Et puis, comme rien se passait à Paris, on est revenu en décembre, c'est en 40 ou 41, je ne me souviens pas non plus. On est revenu et j'ai jamais voulu reprendre l'école parce que décembre, les autres avaient déjà repris depuis 3 mois et moi je serais arrivée, j'étais... Du coup, j'ai arrêté l'école, j'avais 15-16 ans et j'ai pris des cours de sténodactylo, rue Comartin. C'était Rémy Newton. Comme tes sœurs. J'ai appris la sténodactylo, mes sœurs avaient appris dans une autre maison à la Bastille et moi j'ai fait comme elles, sténodactylo, avec l'intention de refaire mon métier, je ne l'ai pas fait. Alors, en fait, tu faisais les marchés avec tes sœurs. Après, du coup, quand il y a eu, j'allais voir mes sœurs, c'était une distraction. Elles faisaient, c'était leur travail, mais nous, c'était les plus jeunes, c'était une distraction. Et puis, j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi. Elle avait appris un autre métier. Je sais, c'était un peu spécial, des machines qui calculaient. J'ai jamais su exactement ce que c'était. Mais c'était rare comme métier, mais elle avait appris ça et elle avait tout de suite trouvé du travail. Donc on travaille tous, tout le monde travaille et alors on s'amusait parce que ça nous amusait nous. Il y avait des comment qu'on appelle ça quand les avions passaient, comment que ça s'appelle, des alertes. Il y avait des alertes. Alors la première alerte, on avait distribué des masques à gaz. Donc quand il y avait alerte, il fallait prendre les masques à gaz et descendre aux caves qui nous étaient indiquées parce que chez nous la cave elle n'était pas valable, elle n'était pas si profonde. On devait aller, ceux de la rue Jean-Pierre Timbo, aller à la cave qui se trouvait boulevard Voltaire. Donc la première alerte, tout le monde descend et la concierge dans la cour elle nous demandait où vous allez. Mais non, c'est la fin de l'alerte. On n'avait pas entendu le début. Mais après, on descendait dans les caves, mais on n'était pas angoissés. C'était, maman, elle enlevait toujours un tas de nourriture, et puis on se retrouvait dans les caves à discuter le coup avec les gens. Et quand on était à l'école, en classe, il y avait aussi des essais. S'il y a une alerte, il fallait que les élèves aillent aussi dans les caves qui leur étaient indiquées. Donc. Mais ça t'a toujours été... ça n'a jamais existé exactement, donc c'était de la rigolade. Oui, puis, ça n'était pas tragique. Ça aurait pu, hein, mais ça n'a jamais bien été. Bien sûr. Et puis, en 41, ça y est, on a perdu la guerre. Il y a l'occupation et il faut aller se faire recenser. Mon père, né à Paris, fait la guerre de 14. Sa femme, elle est française puisque... elle est mariée avec lui. Ses enfants sont tous nés à Paris. Mes sœurs sont mariées déjà avec deux jeunes. Les aînés sont mariés avec des jeunes gens qui font la guerre de 39-40, qui sont militaires. Donc, il faut aller se faire recenser. Nous, les Français, aucune idée que ça pourrait nous nuire. On fonce se faire recenser dans les commissariats. Nous sommes, Ginette, en 1940. Et donc, tes parents vont décider de partir. Pourquoi ? Non, eux n'auraient jamais quitté Paris. Mon père était français et tout le monde était français. Jamais ils auraient quitté Paris. Seulement, un soir, un monsieur est venu nous trouver et il s'est présenté. Il était de la préfecture de police et il avait eu sur son bureau un dossier nous concernant. Et ce dossier disait que nous étions communistes et actifs et qu'il fallait nous surveiller de près. Alors ce monsieur, c'était pas nous qui étions,
C'était ma sœur aînée qui habitait avec son mari et qui partageait l'appartement avec nous. Eux étaient actifs, c'est vrai. Et d'opinion communiste, et très actif. Ils venaient souvent coucher à la maison des gens qui restaient une journée, une nuit, qui repartaient. Il y avait quelque chose de louche qui se passait. Cette période de louche, ces gens qui venaient, qui repartaient, eh ben, ça a intrigué qui ? Voisin, concierge, on ne sait pas. Quelqu'un a écrit à la préfecture de police que chez Charkeski, rue Jean-Pierre Tabot, quelque chose de louche se passait et qu'on recevait beaucoup de monde. Et tout. Les indicateurs de police sont anciens. J'en sais rien anciens, qui c'était. Hein. On ne sait pas. En oui, il y cas, en a toujours eu. On ne sait pas. En tous les cas, ce monsieur est venu nous prévenir et merci à lui. Il vaudrait mieux que vous quittiez la zone occupée. Si vous pouvez, vous serez plus tranquille en zone libre. Vous êtes dénoncé, vous êtes communiste. Alors, il nous dit juif et communiste, ça fait beaucoup, donc vous pouvez partir, ça serait mieux. Pardonne-moi, Ginette, ta famille ne craignait pas ou n'avait pas perçu qu'il existait des courants opposés aux juifs, des courants antisémites qui étaient. Jamais on ne discutait de religion à la maison. Il y avait de l'antisémitisme très très certainement. Je mentirais si une seule fois je l'ai sorti. J'allais dans les écoles. À l'époque, souvent, enfin, je sais pas maintenant, mais il y avait une coutume, c'est que on élisait la meilleure camarade de la classe. Pendant 3 ans de suite, j'ai eu le droit à être la meilleure camarade, alors que j'étais juive. Donc j'ai jamais caché que j'étais juive. Je ne le criais pas sur les toits, naturellement, mais Charkeski, c'est pas tellement un nom breton, hein. Donc, on parlait pas de ça. On parlait pas de religion dans l'école. Mes copines, c'était, j'ai jamais su si elles étaient catholiques ou juives. Bah, Voilà. Vous n'aviez donc, pas cette inquiétude. On n'avait pas du tout cette impression que les gens nous en voulaient, qu'on était détestés. Non. J'ai jamais réalisé que jamais. Et donc, à la fin de la guerre, en 1940, l'armistice, le maréchal Pétain qui salue Hitler, Adolf Hitler, est-ce que parviennent alors des nouvelles inquiétantes par rapport à la politique ? Certainement que mon père et ma mère s'inquiétaient peut-être, mais moi, non. Non. Vraiment. Maintenant, une gamine de 15 ans, je crois, a plus de plomb dans la tête qu'à l'époque j'en avais. Moi, j'étais la petite dernière de la famille. Hein. Peut-être que ça y fait aussi, ça. Vous savez, quand on est la petite dernière, tous les aînés s'occupent de vous, et puis vous, ben, vous prenez aucune initiative, vous vous laissez guider. En plus, j'avais certainement un caractère à pas vouloir me rebeller. Ça fait que je vois maintenant un enfant de 5-6 ans, non, je ne le mettrai pas, ça. Non, moi, je ne veux pas le mettre. Et puis non, ça ne me plaît pas, puis je ne le mettrai pas. Et ça n'était pas ton genre. Mais moi, à 15 ans, mes sœurs me disaient, tiens, Ginette, je te donne mon corsage. Oh, qu'est-ce que j'étais contente, oui. Qu'est-ce que j'étais oui. Fière. Oui. J'étais comme ça. Oui. C'était peut-être mon caractère. Mon père, du coup, a préparé le départ pour aller en zone libre. C'était pas si facile. En zone libre, comment que ma sœur aînée avait des amis à Avignon, on s'est tous retrouvés en zone libre. Ça s'est bien passé parce que passage de la ligne de démarcation, c'était pas facile, mais ça a été puisqu'on s'est tous retrouvés. Il y avait un point de ralliement, Aix-les-Bains. Et on s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. C'était juillet 42 à peu près, parce que la rafle du Veldiv, moi, j'en ai pas entendu parler. Donc, si j'avais été à Paris à cette période-là, bah, ça fait assez de bruit pour qu'on en entende parler. Donc, j'en déduis que c'était vers juillet, début juillet, je sais pas les dates. Donc, on s'est retrouvés en zone libre, Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, il n'était pas du tout question de rester à Aix-les-Bains parce que c'était l'hôtel, c'était les restaurants. J'avais jamais mangé dans un restaurant à l'époque.
J'avais c'était jamais couché à l'hôtel. C'était le cas de la majorité des familles. Et là, d'un seul coup, hôtel, restaurant, moi, je veux même pas savoir si c'est grave comme situation. Moi, je suis d'un seul coup devenue une millionnaire. En plus, j'ai passé la ligne de démarcation. On a eu des problèmes. Alors, en plus, je suis une héroïne. Moi, je baigne là où je suis l'histoire. Et puis, en fin de compte, on va s'installer à Avignon. Et là, à Avignon, d'abord, ça a été à côté d'Avignon, à Montfavet. Et de Montfavet, on a trouvé une maison à Avignon, où là, toute la famille, grâce au maire d'Avignon, mon père est rentré en contact avec ce monsieur qui lui a procuré cette maison rue Joseph Vernet. À mes sœurs, il leur a procuré des petits logements aussi. Et du coup, la famille s'est installée à Avignon. Toute la famille. Toute la famille, au complet, les celles qui étaient mariées. Tout le monde est à Avignon et tout le monde va travailler. Et au début, ce sont les secrétaires et moi-même qui ai appris la sténo-dactylo. Les femmes, on va se retrouver à travailler dans une entreprise qui était à côté d'Avignon, Péchinet, jusqu'en 43. Et puis en 43, la France est complètement occupée. Donc, cette maison qui nous embauchait remonte sur Paris. Ils voulaient bien nous emmener, nous, on ne peut pas suivre. Donc, on va tous rester à Avignon. Les hommes avaient déjà commencé à faire les marchés. Et bien, du coup, nous aussi, on va faire les marchés. Donc, les marchés à Avignon, tous les matins, il y avait des cars qui partaient de la gare et qui, tous les jours, c'était Orange, Carpentras, Cavaillon, toutes les petites villes autour. Il y avait des forains qui partaient en car. Donc, les aînés ont fait ça. Et nous, les deux jeunes, quand on a quitté le travail dans les bureaux, on a fait les marchés aussi. Mais là, c'était beaucoup moins fatigant parce que le maire d'Avignon nous a donné des places sur les remparts. Donc, tous les matins, on allait déballer, le soir, on rentrait. On a fait ça jusqu'en 44. Mais vraiment, c'était, je me rappelais même plus que j'étais juive. C'était, on avait été acceptés parmi les Avignonnais. Moi, je faisais du basket. Ma sœur, elle faisait, il y avait des jeunes, ils organisaient des soirées, des enceintes dans les garages de leur pavillon. Et puis, ça, c'était très, très bien. Maintenant, est-ce que j'ai pensé à mon père ou à ma mère? Ça, jamais. Je ne pensais pas à eux. Nous, on était heureux, on était contentes, on avait, c'était fait des amis, c'était agréable. Avignon, c'est une belle ville. Et puis, en 43, on ne travaille plus dans cette cuisine. Et bien, maintenant, on fait tous les marchés. Mais moi, je suis encore heureuse. Ce qui s'est passé à Paris, peut-être que mon père s'en inquiétait. À Avignon, on racontait à tout le monde qu'on a un nom étranger. Alors on était orthodoxe et on pensait que tout le monde nous croyait. Bien sûr. Et en fin de compte, petit frère. Alors mon petit frère allait à l'école, mon neveu allait à l'école et il n'y avait pas de problème. Et puis en mars 44. Je rentre déjeuner et c'est là que je tombe avec la Gestapo. Quelquefois, je vois des bébés dans une poussette qui sont tellement adorables. Je dis comment que ces salauds de nazis ont pu faire ça? Comment ces êtres-là, entraînés par un homme, c'est un homme qui les a aveuglés. Pas seulement, Ginette, pas seulement. Oh ben, je sais pas, moi je. C'est des courants. Je suis pas historienne, je suis pas. Moi je vois avec mes yeux de marchand de forêt. Hein. Mais moi ce que je vois, c'est Hitler qui a su entraîner son pays dans cet acte. Le soir, le matin, ils vont emmener à la mort des bébés, des nouveau-nés, des femmes comme de leurs femmes, des bébés comme leurs enfants, des mères comme leurs mères, leurs grand-mères. Ils les amènent à la mort et puis le soir, ils vont rentrer chez eux et ils vont jouer comme avec leurs enfants. Mais c'est terrible de penser ça. Et ce sont des hommes, ça. C'est des êtres humains. Alors moi je dis, c'est la haine. Hitler les a tellement
leur a tellement passé sa haine qu'ils ne réfléchissaient plus. Et donc, c'est ça qui fait peur. La haine amène à des Auschwitz. Ginette, vous êtes libérée. Tu retrouves la rue Jean-Pierre Timbaud. Et là, tu vas connaître la longue réadaptation à une vie... Elle n'a pas été si lente que ça, ma réadaptation. Et moi, je suis arrivée, mes sœurs sont là, mes sœurs sont jeunes, ma mère est là aussi. Mes sœurs travaillent en province, elles travaillent très très bien. Elles viennent chercher la marchandise à Paris, puisqu'il y avait des fournisseurs qu'elles avaient retrouvés. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... On trouvait pas tout ce qu'on voulait. Elles ont de la marchandise. Elles travaillent avec des fermiers. On fait des échanges à la maison. Alors que c'est les restrictions, nous, on a une table avec tout ce qu'il faut. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent manger à la maison. Les amis, tout. Moi, j'arrive. C'est des rires. Eh bien, tout de suite, mes sœurs auraient pu dire à leurs copains, leurs copines, c'est fini. On se réunit plus à la maison. Ginette a souffert, il faut le calme et tout. Non, pas du tout. Elles ont continué à vivre comme elles vivaient quand j'étais pas là, et elles ont eu drôlement raison, parce que comme ça, moi, j'ai tout de suite été dans le bain. J'étais malade, c'est juste. Alors peut-être que les 8 premiers jours, je suis restée cloîtrée à la maison, mais après, je sortais pour aller voir les médecins, parce que ça, tout le monde m'emmenait chez des médecins différents. Ils avaient tous des bons médecins, et je courais tous les médecins du globe. Et j'avais pas de cheveux, on m'avait rasé, parce que quand je suis rentrée, j'étais très malade et j'avais des poux. Donc, j'ai pas de cheveux, je suis très maigre, fatiguée, je tousse et tout. Donc, je fais beaucoup de médecins, et j'ai traîné pendant à la maison sans travail. Sur le dos de mes sœurs et de ma mère pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, j'ai quand même trouvé qu'il était temps que je me mette au travail. Donc le médecin me dit, d'accord, tu veux travailler, t'as raison, c'est très bien, ne va pas dans un bureau, mets-toi comme vendeuse, tu parleras aux gens, tu seras obligé de sourire, va pas dans les bureaux. Je rentre et je dis à mes sœurs, à ma sœur qui est là et à ma mère, Il faut que je veux travailler. Il dit que je suis en forme, mais par contre, ma sœur qui était au marché, qui avait récupéré la place du marché, que je prends sa place. Et c'est comme ça que j'ai été tout de suite. J'ai pas eu à me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, où est-ce que je vais trouver. J'ai fait les marchés. Donc tu vas faire les marchés pendant plusieurs années, longtemps. Mais tu vas découvrir un homme avec qui tu vas partager la vie. Exactement. Au bout de... Ma mère meurt en 51 et je vis pendant un an tout seul. Et puis j'ai l'occasion de rencontrer un jeune homme. Ce jeune homme était comme moi. Il venait de perdre sa mère. Il avait été prisonnier de guerre. Il était plus âgé que moi. Et bon, on s'est rencontrés, on ne sait plus. En 3 mois, on a été mariés. Je l'ai connu en février. En avril, on était mariés. Ça aurait pu être la catastrophe. Et ça a été très, très bien. Et on a vécu pendant 40 ans. Alors, au début, lui travaillait au carreau du temple. Et moi, je faisais les marchés. Le samedi, dimanche, il travaillait. Et le lundi, il travaillait à Saint-Ouen. Et quand j'ai été enceinte, eh bien, il est venu m'aider au marché, et j'ai apprécié d'avoir quelqu'un qui faisait les travaux durs, parce que les marchés, c'est pas simplement vendre, il faut installer le barnum, sortir la marchandise, déballer, renvoyer. Quand j'étais enceinte, c'est lui, il est venu pour m'aider, puis après, j'ai apprécié d'être aidée, et du coup, on a travaillé ensemble pendant 40 ans. Un fils est né, au bout d'un an de mariage. On voulait tous les deux, on savait qu'on se mariait, mais qu'on aurait un enfant. On l'a eu. Richard est né en 53. Et je souhaite à tout le monde d'avoir la vie que moi j'ai eue. Vraiment, si je réfléchis, à part cette période de déportation où tout en ayant de la malchance, j'ai quand même eu la chance d'en rentrer, eh bien j'estime que j'ai eu une vie très heureuse et vraiment avec de la chance. Et je me suis retrouvée cet été
avec enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et il y a eu un moment donné où tout le monde était dans la piscine, heureux, joyeux, en pleine forme. Et ben, j'ai pleuré de bonheur. Parce que j'ai dit, je suis drôlement chanceuse de vivre ça. Très bien. Et donc, tu nous expliques et tu réduis un peu l'ensemble de ta vie à une vie que ben, tu estimes calme, heureuse, calme. Heureuse. Est bonne, ben oui. Voilà. Tu vas perdre ton mari, tu as un fils ben oui. qui devient musicien, voilà, qui obtient y compris des prix liés à la qualité de son travail, voilà, qui te donne des petits-enfants, voilà. Et donc tu viens de nous le dire, tu peux passer y compris du temps voilà. avec toute cette grande famille et tu en es heureux, voilà. Alors, tu as donc continué à faire les marchés jusqu'à à peu près J'ai travaillé jusqu'à 58 ans parce qu'on avait, en tant que déporté, le droit de prendre sa retraite à 58 ans. Et il s'est trouvé que la marchandise a été volée. Ça serait tenu qu'à moi. J'aurais racheté de la marchandise et j'aurais continué les marchés. Mais mon mari, qui avait 10 ans plus que moi, 11 ans même, ah oui. eh bien, était fatigué et lui, il en avait marre. Alors, ben, du coup, voilà, on s'est Vous arrêté. Vous avez arrêté. On s'est arrêté. Je n'aurais jamais cru pouvoir vivre sans travailler. Ben, ça s'est très, très bien passé. Mon mari avait des copains de jeunesse. On s'est retrouvés et c'était vraiment très agréable. Il est mort. On a vécu vraiment une bonne période de retraite, heureux, pas des petits voyages, pas des voyages somptueux, mais si Richard, avec sa première, son premier gain de téléphone qui était assez important, eh bien, il nous a payé une croisière. D'accord. Alors là, c'était. Le bonheur absolu. Ah oui, alors là, c'était vraiment le rêve. Hein. Maintenant, les croisières, c'est devenu populaire. Hein. Mais vraiment, la première qu'on a fait, c'était vraiment, j'avais emprunté des affaires à tout le monde parce qu'il fallait changer de toilette tous les soirs. Et non, tu étais où en croisière? Ah ben, c'était les pays du Nord. Alors c'était la Norvège. Non, je blague. C'était les pays, c'était le Maroc. Ah d'accord, du Nord de l'Afrique. Oui, voilà. Oui. Ah non, c'était très agréable. Après, on l'a fait la croisière du Nord. D'accord. On y avait pris goût. Voilà. Donc une période qui pour toi était une période heureuse. Et heureuse. Voilà. Tout le temps que j'ai été avec mon mari, on a été très heureux. Mon mari est tombé malade, paralysé, et ça a duré 6 mois. Je souhaitais vraiment, j'ai pas pleuré quand il est mort, parce que je souhaitais sa mort depuis longtemps. Il était complètement, complètement paralysé. Il avait fait un AVC, ni parler, ni bouger et tout. Et il a traîné pendant 6 mois. Et 6 mois après, il est mort. Je n'ai pas pleuré parce que je souhaitais sa mort depuis qu'il est tombé. Et qu'on me disait qu'il n'y avait aucun espoir. Bien sûr, bien sûr. Et puis depuis, ben, j'ai eu la chance du fait que mon mari n'était plus là. Et j'ai commencé à fréquenter l'association dont Des je fais partie, l'Amicale d'Auschwitz. Et tous les jeudis, on se retrouvait avec des copines. Et puis un jour, le président de mon association organisait des voyages avec des élèves. Il avait son petit groupe de déportés qui les accompagnait. Un jour, il y en a une qui s'est trouvée absente, malade. Il m'a demandé de la remplacer. Moi, non, je ne voulais pas y aller là-bas, ce n'est pas la peine. Et puis, il avait tellement l'air. Et puis, en plus, comment raconter? Moi, je ne sais pas parler, je n'ai pas d'éducation, j'ai mon petit certificat d'études, c'est tout. Hein. Alors, comment je vais parler à des élèves qui ont le brevet, le bac? Et puis, il était embêté, ça m'aurait rendu service, et
pour rendre service, eh ben, j'ai accepté. Alors, il m'a amené d'abord dans les établissements scolaires, il parlait, j'écoutais, et puis il racontait son histoire. Donc, il m'a amené, au bout de 2-3 fois que j'avais été avec lui, il m'a amené une fois, puis il m'a dit, c'est toi qui vas parler. Je ne sais pas comment j'ai fait, en fin de compte, ben, j'ai parti de tomates, hein, j'ai parti de tomates, parce que c'était trop cher peut-être. En tous les cas, on m'a écouté, et du coup, après, il m'a dit, si tu nous accompagnais à Auschwitz pour remplacer cette dame, c'est pareil, j'ai pas dit oui tout de suite, et pour encore une fois, pour lui rendre service, j'ai accepté. Et voilà. Et depuis, régulièrement, une fois par mois, à partir de mars, depuis novembre jusqu'à mars, on va en Pologne. Et alors, tu veux dire par là, implicitement, que pendant toute ta période de vie avec ton compagnon et ton fils, il n'était pas question de Birkenau. Ah non, jamais, jamais. Je n'ai jamais parlé à mon fils de la déportation. Il savait. Bien sûr. Tout petit, il avait vu mon numéro, ça l'avait intrigué. J'allais pas dire à un gamin de 4 ans, tu sais, j'ai été... Non, j'avais dit, il y a eu la guerre, et puis quand il y a eu une guerre, les gens sont méchants, et je te raconterai plus tard comment ça s'est passé. Et puis plus tard, il l'a appris lui-même, et puis il m'a jamais interrogé. Il m'a jamais, jamais interrogé jusqu'à il y a 3-4 ans, à la Toussaint, et moment, on est tous libres, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, on est tous libres, et ben on va avec toi à Birkenau. Ah ben, moi, je croyais qu'il voulait partir avec le groupe du mémorial. Ah, je dis non, on peut pas partir comme ça. Les gens dans un avion, il y a 250 personnes, on peut pas en mettre 255. Hein. Alors, mais non, on va pas avec un groupe. Tu viens avec nous. Et c'est toi qui nous feras visiter. J'étais pas rassurée. Quelle attitude que je vais avoir? J'avais peur. Et puis, en fin de compte, ça s'est très, très bien passé. J'ai été naturelle, j'ai montré sans pleurer parce que... Non, ça s'est très, très bien passé. On a visité Cracovie, quelque chose que je connaissais pas non plus, parce qu'avec quand on va avec les élèves, on ne visite pas Cracovie. Et du coup, ben, on est resté 3 jours à la Toussaint, et voilà. Je n'ai jamais su ce qu'ils en avaient pensé, ce qu'ils en ont déduit, ce qu'ils ressentent, j'en sais rien. Et parce qu'ils n'ont pas souhaité t'en reparler. Je ne sais pas, je ne lui ai jamais posé de questions, je ne sais pas. Je ne sais pas, lui, en tant qu'enfant de déporté et de prisonnier de guerre, ce qu'il a pu ressentir, est-ce qu'on est comme les parents normaux ou est-ce qu'on n'est pas normal. En tous les cas, moi, j'en parle pas. Je n'ai souvent, j'ai envie de dire, j'entendais le petit là, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'ai envie. Eh ben, comment t'aurais fait? Qu'est-ce que t'aurais dit? Jamais. J'ai jamais dit à mon fils ou à mes petits-enfants, eh ben, dis donc, si t'avais été où j'ai été, tu dirais pas que t'aimes pas, on n'irait pas jeter la marchandise. Dans ma tête, je le pense. Mais jamais, 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 ils m'ont entendu dire ça. Oui, c'est une période de ta vie, finalement, que tu essayes d'isoler pour avoir une vie normale. Je ne veux pas embêter les gens à leur rabâcher la même chose. Parce que si je veux raconter, ça sera toujours la même chose. Tu vas m'écouter dans 10 ans, je ne te dirai pas autrement. Je raconterai encore la même chose. Il y aura peut-être des anecdotes, d'autres nouvelles, parce que c'est quand même des années qui comptent, ça. Hein. Mais je ne veux pas embêter les gens avec mon histoire. Et pour toi, c'était aussi sans doute salutaire que de ne pas rabâcher cette... Je n'ai jamais calculé si c'était bon ou pas bon pour moi. Quand j'étais dans les écoles, c'est le hasard qui a voulu que je m'engage. Maintenant, on me sollicite pour aller dans l'établissement. Ça s'est fait comme ça. C'est le hasard de la vie qui a fait que j'aurais pu ne jamais,
J'ai des camarades qui ne racontent pas leur histoire, qui ne vont pas dans les établissements scolaires. Il y en a qui ont été avant moi. Moi, les choses se font comme ça, le hasard. Et donc, pendant ces 40 ans, sans remémoration de tes souvenirs, tu menais une vie... Les souvenirs ne nous quittent pas. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Et moi, les fêtes et les commémorations, étant donné que ça se fait toujours un samedi ou un dimanche, moi je travaillais, donc j'ai jamais assisté à aucune cérémonie. Maintenant, oui, tout partout il y a des cérémonies, j'y nettoyais. Mais parce que maintenant vraiment, je peux dire que ça remplit mon existence. Mais pas tragiquement, j'ai pas envie de pleurer. Et au contraire, j'apprécie la chance que j'ai eue d'en revenir. Alors, parmi les questions qui se posent, cette tragédie humaine qui a marqué toute l'histoire, en définitive, de notre humanité, il ne faut pas oublier que c'est à partir de l'Allemagne que s'est faite cette construction tragique. Insupportable, on peut dire même... Impensable. Inimaginable, exactement. Ouais, exact. Voilà. C'est inimaginable, voilà. Et impensable. Et donc, il s'agit, l'Allemagne, d'un pays très cultivé, qui était un des pays les plus cultivés du monde et d'Europe. Est-ce que, finalement, tu te dis que la situation reste toujours fragile, que les sociétés humaines sont susceptibles de retomber à chaque instant, en tout cas qu'elles peuvent, dans des situations rendues difficiles pour mille raisons, tomber dans des travers identiques à ceux que tu as connus. J'ai connu ça, mais vraiment, sincèrement, je pense que ça ne peut pas recommencer. L'antisémitisme, le racisme, malheureusement, je crois que ça existera toujours, mais des choses pareilles qui se sont passées avec les nazis, ça, je crois, je change, voyez. Maintenant, avant, je disais les Allemands. Maintenant, je spécifie bien les nazis. Et je crois que maintenant, ça, j'espère que je me trompe pas, peut-être que je me trompe aussi. Je crois que ça pourra plus exister, des choses comme ça. Et je dis je crois parce que si je veux bien réfléchir, est-ce qu'il se passe des choses maintenant terribles aussi dans le monde? Qu'est-ce qu'on fait? On le voit à la télé et qu'est-ce qu'on dit? On les plaint, mais on est assis derrière dans notre fauteuil, au chaud, bien à l'abri, avec l'estomac plein. On trouve même qu'on a trop à manger. Et puis il y a quand même beaucoup de peuples qui meurent de faim et tout. Mais ce qui s'est passé là, cette haine qui a fait que des êtres humains ont pu faire des choses comme ça à d'autres êtres humains, ça, je crois que ça recommencera plus. Je crois. Et j'espère que je me trompe. J'espère que je ne me trompe pas plus. Ginette, donc tu rencontres beaucoup d'enfants dans les écoles. Et donc... Tu as dit que tu avais le sentiment qu'aujourd'hui, il y avait plus de fraternité simple, entre cultures différentes, et donc c'est évidemment très important. Est-ce que tu as cependant le sentiment que ce que tu dis est perceptible par les enfants, qu'ils peuvent comprendre, saisir la nature du mal qui était commis à cette époque? Je ne sais pas exactement ce que la suite donnera, mais quand ils m'écoutent, vraiment, et tous les professeurs sont tous à l'unanimité, me disent, s'ils pouvaient nous écouter pendant une demi-heure, ce que vous dites, pas un bruit, 2h30, vous parlez, quelquefois même 3h, il n'y a pas un bruit, personne ne bouge, ils sont là vous écouter, s'ils pouvaient. Moi, je pense que mon histoire les intéresse. Maintenant, est-ce que, sur le moment, ça les intéresse? Mais est-ce que quand ils vont être adultes et qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur parler différemment et qui va réussir
à leur faire croire que les juifs sont comme ci, les musulmans sont comme ça, il n'y a que eux qui sont bien et tout. Est-ce qu'ils sauront dire, ferme-la, si, est-ce, comment tu parles, de quoi tu parles, est-ce que toi tu... Voilà. Est-ce qu'ils seront capables de défendre leur, leur vérité, tout au moins leur vérité qu'ils ont eue quand je parlais? Oui, alors ce que tu dis quand même, la tension extrême. Alors ça, je peux garantir que pas un ne bouge. Oui, alors c'est évidemment très important hein, quand même. Hein, alors ça... surtout qu'au début, moi j'ai commencé très tard à parler et... Au début, il faut reconnaître que ça chahutait beaucoup, mais parce que les professeurs eux-mêmes n'étaient pas formés pour parler de cette période à leurs élèves. Maintenant, on forme les professeurs pour parler de cette période. Donc, les élèves, ils savent parler à leurs élèves. Ils savent que quand nous, on va arriver, ça sera pour raconter notre histoire, et que notre histoire, c'était pas de la rigolade, ils savent. Donc, l'enfant est déjà prêt, il sait qu'il va entendre quelque chose de dur, et donc, il a pas envie de chahuter. C'est ça la différence. Moi, j'ai commencé à parler en 2000, ça fait quand même pas mal de temps. Eh bien, l'attitude des jeunes est tout à fait différente, maintenant que l'époque. Maintenant, quand on va dans un établissement, il est prévenu. L'élève sait que ça va être, on va parler de choses qui ont été dures, des choses qui ont été vécues, et vraiment, leurs questions sont intéressantes, et c'est pas du tout la même chose qu'au début quand j'ai commencé. Justement, leurs questions tournent principalement autour de... Je serais incapable de dire les questions, souvent la nourriture, et puis il faut dire aussi que moi je bavarde, je suis bavarde. Et que je donne beaucoup de détails, rien que déjà quand je raconte. Alors, souvent, ils auront la réponse sans avoir à poser leur question. Sinon, la question, naturellement, il y en a toujours une qui revient. Vous avez vu Hitler. Alors, ça, c'est une question. Mais sinon, la nourriture, très peu s'intéressent. Maintenant, ils s'intéressent à la nourriture. Mais avant, jamais. Jamais. Alors souvent, je dis, c'est parce qu'ils ont lu mon livre. Ils parlent de nourriture. Et voilà. Et jamais on nous interroge sur l'hygiène. J'aurais aimé qu'on m'interroge sur l'hygiène parce que il n'y a pas tellement longtemps que j'ai réfléchi qu'à Birkenau, on ne se lavait pas. Je suis restée à Birkenau 9 mois. Je ne me suis jamais lavée. On nous passait la désinfection, c'est-à-dire on nous passait un espèce de produit sur le corps contre la gale, ça devait nous laver un peu, mais moi je ne me suis jamais lavée à Birkenau. On devait être crasseuse, on devait sentir mauvais, mais ça, je n'ai pas de souvenir. Et puis peut-être que tout le monde était sale, alors on ne voyait pas les gens sales. Je ne sais pas. Tu habites dans un immeuble où il y a beaucoup de familles, de gens, etc. Ils te connaissent. Ils me connaissent, ils savent ce que j'ai été, mais on ne m'en parle pas. Non, non. Tu n'es jamais interrogé. Non. Non. Ils m'ont vu un peu à la télé maintenant parce que je suis passée avec un petit peu. Ils me connaissent, mais personne ne m'a interrogé. Est-ce que tu as eu l'impression parfois quand même d'attitudes qui peuvent te sembler désagréables, sinon hostiles? Non, jamais. D'accord. Est-ce que tu ressens dans la société actuelle, européenne, mais particulièrement en France, des relents éventuels d'antisémitisme? Moi, jamais. Et si même quelqu'un me... Il y a certaines camarades juives, on les bouscule, tout de suite, elles disent, c'est parce que je suis juive. Moi, c'est pas mon cas. Je fais pas le rapprochement. On peut pas plaire à tout le monde. Si quelqu'un ne me parle pas, je me dis pas, c'est parce que je suis juive. Non, c'est parce que, on peut pas plaire à tout le monde.
Jamais. Je pense que c'est parce que je suis juive qu'on a une attitude négative envers moi. Jamais je fais le rapprochement. Alors, tu t'es rapproché, toi, du mémorial de la Shoah. Oui, il y a énormément. L'association dont tu nous as parlé. Est-ce que ton point de vue est un point de vue qui est un peu singulier, un peu différent de ce, c'est un peu ce que tu viens de dire, par rapport à la situation générale de notre pays? Moi, je ne fais pas de rapprochement et je ne vois pas. C'est vrai que je suis pas idiote quand même. Je vois qu'il y a des actes antisémites et tout, mais j'ai c'est pas moi qui l'ai vu. On m'a dit, et moi je crois que ce que je vois. C'est vrai que j'ai vu des tombes qui, mais qui est-ce qui fait ça? Peut-être des petits gamins de 13 ans. Ils sont pas encore adultes. Ils font ça sans savoir ce qu'ils font. Je ne veux pas voir le mal. Voilà. Oui, alors c'est peut-être une attitude morale de ta part. Je ne sais rien. Oui. J'ai peut-être tort. C'est peut-être ceux qui disent qu'il y a de l'antisémitisme qui ont raison. Moi, je trouve que c'est de l'antisémitisme verbal. Tu sais, les gens, ils ne se rendent même pas compte. Sale juive, tout ça, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Hein? Mais on m'a dit que. Ouais, oui, c'est vrai. On m'a dit que, mais moi, j'ai pas entendu. Hein. Je sais pas. Dernièrement, il y a eu une manifestation contre, je sais pas qui, la police ou des machins comme ça. Et puis, il a été, paraît-il, crié, on les a pas tous brûlés. Ça n'avait pas de rapport. Bon, avec cette manifestation. Mais moi, je l'ai pas entendu. On me l'a dit. Alors, celui qui me l'a dit, est-ce que vraiment il l'a entendu ou est-ce que vous savez, quand on est dans une minorité, on a toujours tendance à dire qu'on vous attaque. On le prend toujours mal, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit. Moi, je me souviens, je vendais des maillots de bain. Et une cliente, noire veut un maillot de bain et elle choisit un modèle. Je lui dis, ça c'est pas un modèle pour vous. Tout de suite, elle l'a mal pris. Parce que, ah oui, c'est parce que je suis noire. Mais je dis, ça n'a rien à voir. C'est parce que vous êtes forte comme... Mais on a tendance à prendre, quand on est une minorité, on se sent plus faible peut-être. Et du coup, où on en est fier et puis on roule les mécaniques, ou au contraire, on se sent toujours attaqué. Moi, je suis française et juive. Et puis, il y en a d'autres qui sont juifs et français. Moi, la religion chez nous, j'ai jamais été élevée dans la religion. J'ai souffert à cause de la religion. J'ai perdu de la famille à cause de la religion. Mais, souvent, on me dit, vous regrettez pas d'être juive? Mais, mon vieux, c'est pas moi qui ai choisi. Si j'avais choisi quelque chose, je pourrais regretter ou pas regretter, mais je suis née juive, resterai juive, et puis voilà, c'est tout. Alors, il n'y a pas à regretter. Mais maintenant, c'est pas ce que... Et je spécifie bien, c'est moi qui parle. Hein. Je ne parle pas au nom de tous les déportés, ni au nom de tous les juifs, ni au nom de... Voilà. La façon dont les médias, autrement dit la télévision, c'est-à-dire vous, la vous, presse, vous, etc., lorsqu'elles parlent de la Shoah, transmet ce que tu souhaites être transmis à tous. J'ai déjà assisté à des témoignages à la radio et tout. J'ai déjà écouté. C'était en direct, hein. Donc c'est ce que je dis qui est dit. Il y a que les écrivains, il y a que les journalistes qui font des par écrit. C'est ceux-là qui peuvent changer. Et ça peut être grave quelquefois parce que un mot à la place d'un autre et puis ça change complètement la façon de voir. Hein. Mais quand j'ai des journalistes locaux qui m'envoient leur article, je suis pas. Il y a des erreurs quelquefois, mais le sentiment, le sens de les erreurs, c'est pas des erreurs graves, mais par contre le sens
de ce que je veux dire, c'est-à-dire la tolérance, c'est ce qui est transmis. Si ils me font venir, c'est parce qu'ils veulent m'entendre. Et je vais pas partout, je vais pas dans toutes les stations de radio, je vais pas dans tous les magazines, mais je pense que les magazines qui sont antisémites, eh bien, me font pas venir. Les radios qui sont plutôt d'extrême droite me font pas venir. Voilà. Donc moi, tout partout, je vois des gens qui sont émus de ce que je raconte. C'est pas mon but, hein. J'ai horreur d'entendre « vous m'avez fait pleurer ». C'est pas le but. Mon but, c'est que les gens se rendent compte où mène la haine, jusqu'où peut mener la haine. Parce que Hitler haïssait, mais vraiment, une haine farouche contre les Juifs. Il le fallait. Et il a su entraîner tout son peuple, hein. Pas de problème. Pas tout son peuple, mais... Quelques rares. Je le dis une majorité. Ça. Au départ, je dis tout son peuple, et après, je me reprends en disant, il y a quand même eu des gens qui n'étaient pas d'accord, mais c'est ceux-là qui ont essuyé les plâtres. C'est eux qui ont été assassinés les premiers et qui ont été torturés et en prison. Hein. Pas de religion. On est noir, on est blanc, on est juif, on est catholique, on est musulman, on est tout ce qu'on veut, mais rien. On n'est rien de tout ça. On n'est que des êtres. Humain, c'est tout. Et le jour où on se rendra compte de ça, eh ben ça sera formidable. Mais ça sera tellement formidable qu'il y aura trop de monde sur Terre. Et j'entends quelquefois des juifs qui commencent à dire « les ». Mais je dis « attention, vous dites « les ». Rien que ça, « les ». C'est une généralisation. « Les », voilà. Qu'on dise « un musulman, t'as fait du mal ». « Un juif, t'as fait du mal ». Un chrétien t'a fait du mal. Ça se peut, personne n'est parfait. Mais pourquoi dire les juifs? Pourquoi dire les musulmans? Pourquoi dire les chrétiens? C'est ça qui me met hors de moi. Ninette Kolinka, que nous remercions ce soir. Eh ben moi, je vous remercie. Je vous remercie de votre réception. Et je ne sais pas ce que vous allez faire de ce que on vous le montera, avez bien là. Sûr. Ah ben je pense. En tous les cas, le premier, j'étais en admiration. Je pense que le deuxième, ça sera pareil. J'en doute pas, d'ailleurs. Quand on me le repassera, je penserai à ce pauvre garçon qui a perdu la perche. Je pense à l'autre qui est obligé d'acheter à manger parce qu'il n'avait pas... il n'avait pas mangé nourri. À son goût. Et je penserai aussi à tout ce que j'ai mangé. Hein. Et aux chaussures que j'ai loupées. À cause de mes pieds qui sont déformés. Eh bien, on a été très heureux. Vraiment, c'est tellement chouette d'être avec vous. Les deux pôles, vous m'avez marqué. Merci. Et les femmes aussi.